Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un haul action. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite ce qu'on a acheté. Donc on a pris des papiers cadeaux. Voilà, j'en ai pris 4 pour emballer les cadeaux. Et il restait pas grand choix bien sûr en papier cadeau. Donc on a pris ceux qui étaient les plus jolis. Donc je vous mettrai les prix sur la vidéo si je retrouve mon ticket de caisse. Ensuite j'ai pris une Barbie pour une de mes nièces. Donc voilà comment elle se présente. Je vais peut-être vous la rapprocher. Ensuite, j'ai pris de la Reine des Neiges. Ça, je vous en avais déjà présenté un que du coup, on a offert pour un anniversaire. Donc, du coup, j'en ai racheté un autre. C'est top. Par contre, la boîte est hyper grande pour... alors qu'il pourrait la faire plus petite parce que dedans, vous avez donc un bac, des stylos et puis des feuilles à colorier. Mais sinon, c'est super. Ensuite, j'ai pris aussi une poupée, enfin, une poupée et un carrosse. Pareil, c'était, vous aviez celui-là en bleu ou en rose. Et c'était pareil, il en restait que deux. Donc voilà, elles seront très contentes. J'ai pris pour les petits, c'est pour Nolan et Léa. Donc c'est des stickers qu'on colle sur les vitres. Donc là j'ai pris 15 et ça j'ai pris toutes les princesses. Donc c'était pareil par contre, pour coller sur les vitres, il n'y avait que Cars ou Princesse, Reine des Neiges. Enfin, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de choix, mais... bon, c'est vrai que nous on s'y est pris un peu tard, mais voilà, il restait que cela. Ensuite, donc j'ai pris cette petite déco que j'ai trouvée super mignonne. Donc, voilà comment elle se présente, que je vais mettre à côté de mon sapin. Donc il y a écrit Happy New Year, Mont Blanc, Merry Christmas, We Want Christmas. J'ai trouvé ça super mignon, donc je l'ai pris. Ensuite, donc j'ai pris deux bols comme ceci, que j'ai trouvé super joli. Les motifs et tout, enfin j'aime beaucoup. Franchement, ils sont canons. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris deux sets de tours de magie. Ouais, ça fait un moment, Nolan, qui, quand il regarde à la télé, il voit les gens qui font de la magie, qu'il aime beaucoup. Donc je sais que lui était intéressé et Magnette aussi. Donc on en a pris deux. J'ai repris trois éponges Conjac. Franchement, elles sont top, elles sont pas très chères. Et je les aime beaucoup. Donc comme ça, j'en aurai un petit stock. Parce que des fois, vous en avez dans vos actions. Enfin, moi, dans le mien, je vois que la dernière fois, il y en avait. Et après, il n'y en avait plus. Et là, ils en ont remis. Donc, du coup, j'en ai pris trois. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, donc, j'ai trouvé ce set de masques à charbon. Donc, c'est un pack d'élimination des points noirs en trois étapes. Vous savez, je vous avais fait une vidéo où j'enlevais un masque peel-off. Donc là, c'est un peu dans le même principe. Si vous voulez que je le teste, dites-le moi en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Donc, ils nous disent qu'il y a une lotion, un masque d'élimination de points noirs et une crème hydratante. Donc, voilà. Ça serait sympa de tester avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris de la marque Nip. Donc, c'est des sels de bain. Donc, c'est à la framboise et à la cranberry. Donc, ça, j'en ai pris deux. J'ai repris aussi pour les petits. Je vous les avais déjà montrés dans une vidéo. Donc, les sels de bain, je trouve. Donc, ils sont bleus, en fait, quand vous mettez dans l'eau. Donc, Nolan avait adoré. Moi, j'en avais testé un aussi. C'était vraiment pas mal. Et ma petite nièce aussi. Donc, elle m'a dit, Tata, si t'en retrouves, tu pourras m'en racheter. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'en ai repris pour elle et pour Nolan. J'ai pris ensuite, et ça c'est la première fois que je les vois, donc c'est des masques pour les lèvres, donc j'en ai pris deux, et ça c'est pareil, si vous voulez, je testerai en vidéo avec vous, comme ça vous aurez mon avis, donc je suis super contente, j'ai hâte de tester. J'ai pris des toutes petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées très très jolies, elles sont super sympas, donc je vais les déballer. Donc voilà comment elles se présentent. Et derrière, vous voyez, c'est une attache de boucle d'oreille et c'est relié les deux ensemble. Donc, elles n'étaient pas très chères et très très jolies. J'ai pris un liquide de rinçage donc pour le lave-vaisselle. Donc, c'était pareil la première fois que je le voyais, donc je le testerai. J'ai pris pour Eléa trois petites cuillères pour manger. J'ai pris des boucles d'oreilles en forme de perles, donc vous avez gris et blanc, j'aime beaucoup. Je trouve que gris comme ça, on a un peu de mal à en trouver et là c'était les seuls qui restaient, donc je les ai pris, j'adore cette couleur. Je vous en montrer qu'une bien sûr, mais Jonathan en a pris plusieurs, donc c'est des tablettes de chocolat qu'on aime beaucoup, franchement il est vraiment très très bon leur chocolat. J'ai repris un lave-main, celui que je prends très souvent. Parce que je l'adore et il dure une éternité. J'ai pris des lingettes désinfectantes. Ça c'est pareil, on en a toujours besoin. J'ai repris un kitchen clean. Donc ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'il dégraisse hyper bien. Le rose aussi est pas mal. Et celui pour la vaisselle aussi est top. Mais là j'avais que besoin de celui-là. J'ai trouvé les sprays pour les mains à la berry et à la cranberry.
Donc ça, j'en ai vu pas mal parler sur YouTube. Donc je suis contente de les avoir trouvés. Ensuite, j'ai pris des chaussettes comme ça, spa. Donc ils nous disent que les chaussettes ont une couche de gel spéciale qui stimule la peau à absorber votre lotion pour les pieds préférés. Ainsi pour vous rendre vos pieds doux et souples. Donc c'est pareil, je testerai. Jonathan a acheté une agrafeuse et aussi les agrafes qui vont avec. Donc, voilà. Et le dernier article qu'on a pris, donc c'est ce grand bac comme ça. Voilà, j'avais mis les produits dedans. Hop, je vous... En plus, si je me mets à trop avec, ça va pas aller. Ce que vous pouvez fermer comme ceci. Donc ça, on va mettre tous nos papiers, nos documents très importants dedans, parce que j'en avais marre que ça traîne dans un tiroir. Donc je vais le mettre dedans. J'en voulais un autre pour mettre les jouets à Nolan, pour qu'ils évitent de traîner partout. C'était le dernier, donc la prochaine fois qu'on y retourne, je regarderai s'ils en ont remis. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été à l'action et sur quoi vous avez craqué. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Et surtout, je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël et un joyeux Noël à vous et à votre famille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !